Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, l'univers a un message pour vous. J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à faire vivre cette chaîne en vous abonnant, en likant et en laissant des commentaires. On va commencer avec donc le livre oracle de Barbara Courlet que vous pouvez retrouver donc sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Allez, c'est parti. Donc, quel est le message pour vous? Tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux être fier de toi. Tes efforts vont être récompensés. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous êtes en pleine reconstruction, en pleine guérison, en train d'intégrer ce nouveau moi, cette part divine qui vit en vous. Donc peut-être que vous avez vécu beaucoup de changements ces derniers mois, ces dernières années. Et là, on vous dit bien qu'il y a il y a tout là qui est en train de se mettre en place. C'est comme si là vous étiez prêt pour poser la dernière pierre de votre édifice. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle. Les portes de magiques de l'univers. Allez, quel message? Est-ce qu'on peut compléter, s'il vous plaît? Waouh! Alors, on vous parle, est-ce qu'il y en a une autre? De victoire magnifique. Vous arrivez au bout de chemin. Il y a vraiment là, cette notion de cadeau, de récompense. On récolte enfin les fruits de tous les efforts que vous avez fournis. Et on vous dit, un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et en dos de deck, on a la carte l'essentielle reconnexion. C'est Jack et le haricot magique. Hein. On vous dit bien... que vous avez grandi, vous avez mûri. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelques mois ou quelques années. Vous êtes en constante progression, en constante évolution. Vous ne voulez plus retourner en arrière. C'est comme si vous étiez pris en fait dans une spirale qui vous mène vers beaucoup d'abondance parce que vous vous en donnez les moyens. C'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez être fier de vous. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc là, on a bien des projets qui vont se concrétiser, peu importe le domaine. On va tirer quelques cartes de l'oracle des Médéores. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette victoire magnifique, sur cette essentielle reconnexion à vous-même qui va vous ouvrir les portes de l'abondance? Alors, peut-être qu'actuellement, vous avez un peu la sensation que les choses stagnent parce qu'on vous dit des réponses qui tardent. C'est parce qu'il y a encore des choses à comprendre. Donc, peut-être que vous êtes amené à travailler un peu l'impatience. Mais on vous invite surtout à faire confiance au timing divin. Tout est juste. Tout est juste. Mais vous allez avoir vos réponses. Alors, non, elle ne s'est pas retournée.
On vous dit bien, vous allez avoir vos réponses et ça va vous procurer une paix intérieure. Beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre. Et on vous demande justement de lâcher prise sur ces réponses qui tardent. Elles vont arriver. Donc faites confiance. Soyez au maximum dans l'instant présent. Travaillez votre alignement, votre ancrage, votre centrage. Alors, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Peut-être que c'est pour ça que vous attendez des réponses, que vous êtes dans l'attente de réponses, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Mais on vous dit, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix va vous apporter la paix intérieure. Ok, bon, on vous dit, on vous parle d'amour de soi. Vous êtes en train de vous choisir, vous apprenez à vous choisir, à vous prioriser, à vous respecter. Et c'est tout ce travail sur l'amour de vous-même, sur cette guérison, qui va vous amener à l'abondance. On vous parle d'un événement important qui va arriver donc avant la fin de l'année 2023, puisqu'on vous parle de l'année en cours, avec la carte du jugement. Il y a quelque chose là de très fort qui arrive à vous. Un projet vraiment qui vous tient à cœur. Donc faites confiance là au timing divin. Attention à vos pensées. Ne portez pas de jugement hâtif sur une situation ou sur des personnes. Soyez focus sur vous et laissez les événements venir à vous tels qu'ils viennent en fait. Alors, on vous parle bien de libération d'un blocage qui arrive. Waouh ! D'une grosse ouverture de cœur. Il y a quelque chose là qui va vraiment vous mettre en joie. Ça peut être une rencontre. Ça peut être, si vous êtes en couple, un engagement. Ça peut être un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, qui met du temps à se mettre en place. Mais le chakra du cœur, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous faire vibrer. Vous allez avoir le cœur qui va battre à 10 000. Alors, ouais, il y a, je pense, là, encore un pardon à faire. Quelque chose à libérer. Waouh, waouh, waouh. Bon, on vous dit bien, là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a quelque chose de très beau, de très fort qui arrive à vous. Et on vous parle de l'être aimé et du chakra de la gorge. Ça peut être une rencontre inattendue mais déterminante où il va y avoir beaucoup de communication. Ça va être fluide. Ça va vraiment être fluide. Ça va être une rencontre très importante où ça peut être eh bien un projet d'engagement si vous êtes déjà en couple. Peut-être que vous vivez actuellement une période de crise. Mais en tout cas, là, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en préparation de très, très fort. Très, très fort. Hein. Et on nous parle de sentiments réciproques. Cette sensation, il va y avoir une très forte connexion avec cette personne. Vous pourriez avoir un choc émotionnel quand vous allez rencontrer cette personne parce que vous allez sentir que ben, c'est la bonne. Il va se passer au niveau énergie quelque chose de très fort avec cette personne. Ça peut être également quelqu'un que vous avez perdu de vue qui revient dans votre vie
et qui va exprimer clairement ses intentions vis-à-vis de vous. On va compléter avec quelques cartes de l'oracle Lumière. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On vous dit lâcher prise, faites confiance au timing divin. Vous avez appris justement à lâcher prise, à être dans l'acceptation, à faire confiance à ce qui vient à vous, à être dans l'instant présent. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Waouh! Bon, là, très clairement, il y a une rencontre. Hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie sentimentale. Hein. Et il y a la source, il y a le divin derrière tout ça. Donc, c'est une rencontre destinée, inattendue, qui arrive. Hein. Ou le retour inattendu de l'être aimé. Mais là, il n'y aura plus d'indécision, il n'y aura plus d'aller-retour. Non, non, non. C'est là, moi, j'ai vraiment cette notion d'engagement. Et de toutes les façons, c'est prévu par le destin. Cette rencontre est destinée. Waouh, on a le guide. On vous dit que vous êtes extrêmement guidé, protégé. Je pense que cette personne aussi peut-être vit un éveil spirituel actuellement. Se rapproche du divin, s'ouvre à des nouvelles dimensions, peut-être lit des livres de développement personnel, de développement spirituel. Il y a un énorme changement là, chez cette personne. Il y a chez tous les deux cette très forte connexion au guide. Bon, on vous dit bien, on vous parle de sagesse et d'un cap à passer, parce que ça va être un cap. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir vraiment le cœur qui bat la chamade. Il y a un choix à faire. Peut-être que vous allez faire une rencontre et que vous êtes déjà en couple et que vous allez devoir faire un choix. Ou vous allez faire peut-être une nouvelle rencontre et... De toute façon, il y a cette notion de choix à faire. De toute façon, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup d'informations pour vous aider à faire le bon choix. Et on vous parle du loup, on vous parle d'ici et maintenant, on vous parle d'une très grande fidélité, d'une envie d'engagement, d'une envie de fonder une famille ou de recomposer une famille. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse, beaucoup, beaucoup de sagesse et qui voit très clair, très, très clair. Bon, et on vous parle d'abondance, de passion avec le chakra sacré. C'est-à-dire, vous allez accueillir cette abondance, vous allez accueillir cet amour. Vous allez vous expanser, vous réaliser au travers de cette rencontre. Mais ce sera partagé. Et on va terminer par le petit oracle des énergies cosmiques. Donc, accrochez-vous parce que ça va vous chahuter, hein, cette rencontre. On vous parle de bougie. Allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. Là, on vous parle de poser une intention, de ne pas hésiter à parler à vos guides, à leur faire des demandes, à vous ramener quand vous sentez que vous êtes décentré, à vous ramener dans la lumière. Et on va en prendre une autre, s'il vous plaît. On vous parle de potion des nuances. Tout est une question de nuances et d'équilibre. Adopte cette notion.
Donc on vous dit, il y a également cette notion de prendre de la hauteur vis-à-vis des événements, de rester bien ancré, bien les pieds sur terre, et de travailler à votre équilibre. Et vraiment d'essayer de garder cette paix intérieure et d'être centré sur vous, même si c'est une rencontre déterminante. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!